Ah, t'as sur la Belgique pour Dandy 33 qui lance appel. Attention la Belgique pour le Sud-Ouest France, Dandy 33 qui vous en s'appelle. Bonjour cher Dandy, les bonnes 73 de triple 6 là, opérateur Vincent. Voilà Dandy, ça fait plaisir de t'entendre sur la ville de Nice, tu passes très très fort. Et 73-51, la ville de Nice, waouh. Wow. Juste avant, il y avait justement la Belgique là qui passait, là. J'ai reconnu la modulation. Ah ça y est, j'ai le QRZ sur le bout de la langue, c'est pas grave. Alors comment ça va la ville de Nice, de votre côté? Là ici, là il y a bien, ah ben je crois qu'il y a 35-36 degrés là de mon côté là. Ça chauffe, ça cuit là ici. Mais nous, Rémi, on avait déjà fait plusieurs fois une QSO l'année dernière en AM également. Je ne sais pas si tu te souviens avec Colibri, Dracar, et puis il y avait aussi, comment il s'appelle, Viking, qui était en fréquence là, Rémi. Voilà, mais tu es arrivé à un radio de 5 super clairons, signal de 9, je pense, j'imagine que tu es avec le 7009 que tu as réparé Jean-Bernard, qui a repéré en fréquence, où tu es avec point 3, t'as vu, chez tout, moi, hein, je suis au courant de tout, hein. H3 coup, ben t'as tout compris, c'est exactement ça là. Et tu m'arrives à 57 là de mon côté, là c'est un peu faible, hein, je trouve ton signal. Vu la station que t'as là, tu peux mieux faire quand même. Hachi, je déconne. D'autant plus que là, vite fait comme ça à l'arrache, je suis en train de faire une petite vidéo avec mon téléphone. Je suis en train de travailler une autre là en ce moment là sur le PC. Et là, c'est quand j'ai entendu l'appel là, sur le 19. Oh putain, j'ai tout lâché, j'ai tout posé, j'ai pris le micro. Ouais, Rémi. Hein, tu sais, je suis toujours là-dessus, sur le triple 5 en même temps. Hein, et j'engrange les stats hein, en Alpha Mike, en Fox Mike, en SSB. Là, beaucoup de contacts. Hein. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire la 108 en motif. Là, qui... Depuis fin avril, hein, ça cartonne tous les jours. Hein. Tous les jours. Juste avant toi, j'ai voulu faire Barcelone sur le 21, hein, pour te donner une petite idée, tu vois. Ok, d'accord. Eh bien, tu vois, là, c'est seulement là depuis quelques minutes, là, à peine. Là, que, allez, on va dire, là, je suis à 3 minutes de la vidéo. Ça fait quoi? Ça fait juste 5 minutes, hein, là, que la propague est arrivée de mon côté. En tout cas, là, on voit que tu es en train de rouler. Il y a un peu de fading, là, derrière, là. Hachi. Oui, complètement, parce que moi, je suis sur un grand ruban, tu vois. Je suis sur l'autoroute à 8. Je viens de passer le dernier virage de Nice à côté de l'aéroport, là. Et je me dirige en direction de l'Aix-en-Provence, là. Voilà. Et je visite un nouveau poste exclusivement à M, un Alan Quarantotto, préparé par Lizio à Naples, là, en Italie, là, voilà. C'est un truc qui est fait sur mesure, là. Et puis, ma foi, ouais, ça marche très très fort comme petit poste. Hein. Les modistes qui sont dedans, là, c'est assez impressionnant. Alors, je sais que JB dirait. Ah mais oui, mais là t'as une modulation d'un signal carré et tout. T'as une sinusoïde carré, il a raison. Mais c'est pas la même discipline, voilà. C'est pas la même discipline, là on est en Alpha Mike, voilà, bon on n'est pas sur le canal 45, mais je trouve que cette modulation-là est très perçante et percutante, voilà. Et puis finalement c'est pas si dégueulasse que ça, écoutez. Ah mais pas du tout, c'est génial, c'est super, au contraire. Ah moi je suis 100% pour, hein, tu sais, moi je pars du principe que au niveau de ton matériel, c'est très cuiro. J'espère que la vidéo pourra passer là sur pourra être chargée sur Facebook. Sinon je la chargerai en suivant là sur YouTube.
Et là, c'est très, très cuiro. Là, il n'y a aucun problème. Hein. C'est très propre, très cuiro. Et puis, en ce qui concerne l'utilisation, je vais te dire, je fais de la CB, pas pour être trop sérieux dessus. Je fais la CB pour me faire plaisir. Voilà. Pour rigoler avec les copains et tout, et tout, et tout. Voilà. Hein. C'est la CB, c'est avant tout ça, hein, c'est ça. Hein. De toute façon, la CB, Citizen Band, la bande du citoyen, donc autant s'éclater. Hein. Ouais, là sur la fin, là, j'étais un petit peu en train de te perdre, même si tu passes toujours très fort. Hein. Mais bon, il y a un peu de surmodulation, mais ça envoie toujours du steak, hein, y a aucun problème. Hein. On voit que là, ça a été bien fait. Et la personne là, qui fait ces modifications en Italie, est-ce qu'il a un site internet, il a quelque chose dont on pourrait faire parler? Ok, est-ce que tu te souviens du nom de sa page Facebook? C'est Mission, M-I-C-I-O, Mission, des fois c'est Missionné, I-O-L-E, Mission, Mission, et s'appelle ça, bah écoute, hein, c'est la référence en Italie pour ce type de préparation, voilà, voilà. Ouais, là sur la fin, c'est un peu parti. Alors, missionné, j'ai pas bien compris, c'est ça? Missionné ou je sais pas trop, j'ai pas bien compris. Ouais, c'est ça. En italien, c'est missionné. M-I-C-I-O-N-E. M-I-C-I-O-N-E. Missionné. Ok, c'est passé très fort de mon côté. Je crois même que tu as réussi à monter à Santiago de Neuf. J'ai pas trop fait gaffe, mais je crois que oui. Ouais. Ah oui. J'ai pas mis le tagazon en route. Hein. J'ai pas mis le tagazon en route là. Je t'enverrai une petite photo ce soir, tu vas rigoler. Bon, du coup, toi, là, je suis à 8, presque 9 minutes de vidéo, comme ça, à l'arrache, avec mon téléphone. Là, c'est sûr qu'il faudra que je la mette après en suivant, là, sur YouTube, que je partagerai ensuite. Je vais en profiter un peu avec toi, là. Et au niveau du Bilpat, t'es en double ou simple antenne? Alors, là, je suis enceinte, je suis avec une Striker, une SRA10, 3/8, d'accord, à droite, sur le montant du pare-brise, et j'ai la ligne Cofan, hein, pour passer la même antenne à droite, mais comme en ce moment, je roule beaucoup à des endroits où il y a des arbres et tout, l'antenne de droite, elle prend des sacrés coups, donc je suis pas en Cofan, je suis en mono-antenne, là, aujourd'hui. Ok, d'accord. Bon, vu le matériel que t'as, t'as dû passer un sacré gros câble d'alimentation. Là, t'as mis à quel diamètre? Oh bah là, je suis en 18 mm², 300 ampères, et j'ai le choix entre le 12 volts
4 volts selon le matériel que je mets là, voilà. Et le coaxial, c'est du Messi Paoloni là, du 7 mm hyperflex là, qui va très très bien, puisqu'il a le double blindage dedans, il est très bien ce petit coaxial là. Ouais, en 7 mm, c'est ce que j'ai aussi avec ma Wilson 5000. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Et là, putain, la vache, il est gros, ton câble d'alimentation. Et il faut ça, c'est sûr. Surtout qu'en 12 volts, plus il y a de longueur, plus il y a de perte. Le 12 volts, c'est vrai que c'est pourri pour ça. Quoi. Et tu passes par un régulateur de tension ou direct sur une seule batterie? Ok, lui donc il est uniquement pour le poste, c'est tout. D'accord, ok. Ouais, absolument, absolument. Voilà, voilà. Non mais là c'est l'antenne, c'est tout. L'antenne, c'est magique, normalement. J'ai sur un 4x4 là, j'ai pas de phase, mais la gauche et la droite. Et j'ai testé là avec un boîtier. J'ai testé un coup. Dans 5 minutes, je serai l'appel général. Voilà, sur la fin, ouais, j'étais perdu. Et puis là, il y a des appels qui se font aussi. Hein. Bon, ok, d'accord. Ouais, tu me passeras le lien Facebook là, de l'OM, de la personne là, qui fait ça. Là, j'aimerais bien le partager là sur le forum comme sur le groupe. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, je vais laisser les stations lancer appel derrière, car là, on monopolise un petit peu le canal. Merci à toi, bonne route et profite bien du soleil. Vu qu'on est en été, et c'est seulement maintenant qu'on réalise qu'on est en été. Bonne route à toi, merci. De rien, et pas de soucis, c'est gentil. Si tu veux récupérer le lien maintenant, tu peux aller, tu sais, t'es inscrit sur ma page, là, Canal 19 France Routier, tu verras, j'ai partagé dessus, Canal 19 France Routier, t'as toutes les informations, tu peux les récupérer là-dessus, les liens, directement. Voilà, et je merci pour le tu et tout. Il est parti. Voilà. Si, il est là. Ok, merci à toi. Bonne route. Bye bye. Waouh. Ok, alors Perpignan 59, La Rochelle 55. Je ne sais pas si vous entendez tous les deux La Rochelle et Perpignan. Je vais retourner sur. Il entend tout le monde. Okay, t'es au Cap Portotel, ah bah c'est marrant, tiens.
collègues de travail, là, des Popeye aussi. Voilà, voilà, avec des gros biscottos. C'est pour ça. Bon, ben, ça passe bien, hein, 59, là. Il en vit pas également, non, certainement. Il entend tout le monde, lui. Waouh. Tiens, voyons un petit peu. Ouais, bon, voilà, il fallait s'y attendre. Logique, normal. Comme quoi, on voit que c'est pas du tout la même propague. Ça surprend même quand on arrive ici en BLU de voir ce calme. Alors là, je suis bluffé là. Bon d'accord. Comme quoi, la propague, elle n'est pas toujours dans tous les modes. Et tous ceux que tu entends, je les entends pas, moi, de mon côté. Tu as de la chance. Ah, mais ça, c'est la striker. Personne ne veut me croire. Il y a un monsieur au fond de la rue, là, qui est aussi comme moi, là, et tous les deux, on est ravis. Après, le prix de l'antichité, c'est ce qu'on dit que le retour sur le voilà, il est pas. Ah oui, non mais je sais bien, hein, c'est hallucinant. Hein. Et je vois, moi, la Wilson 5000 que j'ai sur le push, hein, elle est de même catégorie. La Striker peut-être un peu, elle est peut-être un peu plus forte, la Striker. Mais c'est pareil, hein, quand je suis en mobile, j'attrape de ces trucs. Au QRA, j'ai une très très bonne antenne aussi. Hein, mais après, bon, je suis dans un trou, là au QRA. Donc déjà, ça limite. Il faudrait que je saute dans le push et que je monte là sur la colline là qui est quasiment à coller contre le QRA, Hachi. Et là depuis là-haut, c'est sûr que là j'attraperai de partout. Hein. Ah mais là, il n'y a que toi qui passe, moi, sur mon QTH. Il hein. Y a un peu de bruit là derrière. Il y a des stations qui passent un petit peu, mais bon, c'est complètement à la ramasse, on va dire. Il y a beaucoup de fading de ça là, au niveau des autres stations. C'est pas très épais non plus. Je suis monté sur le 555 en uniforme Sierra Bravo. Eh bien, pour ainsi dire, rien. Il n'y a rien. Je suis allé sur le 5. Oui, les Italiens m'arrivent. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ils m'arrivent. Et du coup, ben, je suis redescendu là. Hein. La Rochelle, tout ça, tous ceux que tu entends, je n'entends aucun, moi. Ah, c'est peut-être Gilles Vega 33, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être lui. Vega 33, c'est toi ? Non, non, c'est un Pierre qui s'est signalé en fréquence, la Pierre du Sud-Ouest, je crois. À
Ah d'accord, non, je l'ai pas entendu. Ah chiche. Ouais, c'est sûr que j'ai toujours 3 tonnes de trucs à faire. C'est hallucinant ça, mais là c'est trop bon là. Là c'est la cerise sur le gâteau et faut que je reste devant là. Ah, c'est ça quand on aime la CB, hein. La piqûre, on va dire, je l'ai pris déjà très très tôt. Étant QRPP, je faisais déjà mes muses avec les taki-walkies qu'on avait à l'époque, là, avec un ou deux canaux, pas plus. Voilà, il y avait des grandes antennes télescopiques qui faisaient bien 1 mètre. Oh oui, facile. Ouais, 70, 1 mètre, ouais. Ouais, peut-être pas 1 mètre, ouais. Bien 70 centimes. Ah, quoique, c'est vrai qu'elles étaient très très grandes, ces antennes-là, sur ces portables. Et arrivé en 82, alors je peux te dire que là, ça m'a marqué ce jour-là. Le 4 mai 1982, dans l'après-midi, là, je découvre la CB et ça m'a plus jamais lâché depuis. Alors, j'avais un 22 canaux FM, un petit Philips. Je me régalais avec. Hein. Et en 83, je suis passé au multimode, tout ça, et ça m'a plus jamais lâché. Hein. Ouais, sur la fin, ça a remonté. Hein. Là, quand tu as commencé à dire « je suis pas sûr que ça passe toujours », si, je t'entendais toujours un peu, c'était assez QRP, puis là, c'est remonté. Ça envoie là, ça passe, c'est vrai que là, mais c'est tu verras ça là quand je m'occuperai de la vidéo. Je finis de m'occuper là de sur le PC de l'autre là que j'ai commencé hier, terminé vite fait comme ça ce matin. Je finis de m'occuper de celle-là et en suivant là je m'occupe de celle que je suis toujours en train de filmer avec le téléphone. J'aurais dû poser la caméra, ça aurait été plus simple, je me ferais moins chier. Et en plus, ça bougerait pas comme là en ce moment. Hachi, ok, eh bien, les bonsoirs 1351 à toi, bien content de t'avoir eu. Donc pour moi, là, je suis sur Sainte-Colombe. Alors, c'est 5 km de Castillon-la-Bataille, 12 km de Saint-Émilion. Voilà, je suis entre les deux, là, sur le sud-ouest de France. Pour te dire un petit peu plus, je suis à droite de Libourne. Voilà, si tu veux visualiser un petit peu, voilà, c'est ça, quoi. Allez, bonne route à toi, merci. Ouais, pas de soucis, Rémi, voilà. Et puis le fait de filmer avec un téléphone portable, ça va la faire à l'ambiance projet Blair Witch. Le projet Blair Witch de la radio, bord de rien. Bon, allez, au plaisir, bye bye. Ok, puis là je suis en train de faire un petit effet là. Ok. Bye bye, bonne route. Vas-y, fais-moi un petit truc là avec l'écho. Allô, allô, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon, voilà de l'écho. Eh,
Vega, tiens, les bons sont très à toi. Tu as la Côte d'Azur là qui nous arrive plein pot, aussi fort que quand c'est les stations de la Belgique ou les Italiens. Waouh, là, je sais pas qui a repris le micro. Ouais, la propague a tourné, elle a changé de direction. Voilà. Ah, ça y est, quand même. Alors, il y a un truc que j'ai assez souvent remarqué, c'est que, bon, de toute façon, la propague arrive d'en bas et monte comme ça en fréquence. Bon, ça, ok, d'accord. Mais ce que je remarque, c'est que bien souvent, ça arrive par l'AM pour ensuite basculer en BLU. Enfin, basculer, non, pour ensuite toucher la BLU. C'est curieux quand même, ça. Ah oui, les amis, je voulais voir si... la propague n'est pas du tout du côté Québec, loin de là. Puis c'est vrai qu'à l'instant, j'ai oublié qu'eux, ils sont partis en balade en moto. Alors, c'est en même temps le nom d'un groupe Facebook. Hein. Voilà, autrement dit, le groupe des talents. Ah, c'est retombé. Oh, d'accord. Ça a tourné là aussi. C'est mijote, c'est mijote. Alors voilà. Je crois qu'il y a dragueur. Attention, Dracar pour Dundee 33 qui t'appelle. Ok, d'accord, ben, ils ont du mal à arriver de mon côté, hein. Comme quoi là, je suis pas du tout dans le bon couloir. Pourtant, je ne me suis pas perdu, mais je les entends pas du tout là de mon côté. Et 73 Colibri, si tu m'entends de la part de Dundee 33. Ah, rien. Ah, ça passe pas hein, de mon côté, il n'y a que toi qui passe. Toi qui passe, puis des stations qui moustachent, mais c'est tout. Hein. Ah bah ouais, c'est comme ça malheureusement. Si Dracar aussi passe bien, mais on a le même matériel, très peu de choses près. Voilà, pour ça aussi. Hein. Tu sais, à un moment donné, à force d'essayer le matos, hein, j'ai fini par trouver chaussures à ton pied, tu n'en changes plus. Voilà. Bon, Colibri,
Gérard, j'aimerais bien que vous puissiez parler à tous les deux, Rémi et Gérard, ce serait sympa comme il y a un an. Alors, on a essayé de tuer le son un matin, là. Allez, Gérard, allez, dis-moi que t'entends Rémi, là. Ouais, c'est Rémi, c'est Dundee, tu vois. Ben, non, j'ai cru que c'est toi qui l'avais entendu. J'ai dû mélanger les crayons. Il n'y a que toi, en fin de compte, que je sors comme il faut. Toutes les autres stations, c'est très furtif. Soit c'est de la moustache, tu es vraiment le seul là qui aujourd'hui, là, à l'instant même, là, il est quelle heure? Il est 15h. Ouais, c'est ça. Il y a que toi, vraiment que toi, que j'entends là de mon côté, hein. Ah bah oui, mais bon, c'est assez souvent comme ça, moi j'ai remarqué, hein. À part toi, Colibri, Dracar, Viking, qui c'est qu'il y a d'autres encore, j'entends fort, Alain là, de Paris aussi, qui passe comme un boulet de canon, là. Et grosso modo, on a fait le tour des stations, et si, il y a un Stéphane aussi, là, qui est dans le département 45, là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. À chaque fois, je vais partager mes vidéos sur son groupe. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Là, on est toute une équipe là à avoir une vision de la Sibie nettement plus, je dirais pas, allez si, je me lâche, nettement plus cuiro. Si, non, mais toutes les formes et toutes les façons de la Sibie sont super cuiro. Mais c'est vrai qu'on a un peu une autre vision de ça. Même si au niveau module, je suis pas du tout dans l'écho un peu poussé, tout ce qui s'ensuit. Quoique là, il y en a un petit léger, là, écho, là, derrière. Mais il est vraiment, vraiment à peine mis, juste un poil comme ça, histoire de relever juste un chouïa et pas plus. Mais non, moi, je préfère ce type d'utilisation. Et puis autrefois, dans les années 80-90, on restait en AM. Hein. On s'éclatait nettement plus en AM. Hein. Il m'arrivait de monter quelques fois en BLU, comme ça, pour changer du quotidien. Mais c'est tout sans plus. Autrement, je restais beaucoup, beaucoup en AM. Voyez le système, ben, j'ai la même chose dans la voiture. Le pied pris comme ça, tac. Non, c'est moi le petit joueur à côté de vous autres. Ah, largement. Non, je suis tout petit à côté de vous autres. T'inquiète pas, ouais. Je crois que tout n'est pas à dire là-dessus. Surtout que là, je suis en train de faire une vidéo. oui, non, mais j'ai toujours pas arrêté. Hein. Je suis à 34 minutes et quelques de vidéo. Voilà, je montre l'heure en même temps. Voilà. Là, j'arrive plus à lâcher, j'arrive plus à décrocher. Quoi.
s'ils parlent pas, ça me dit rien là pour l'instant. Attends, j'ai entendu une station là qui demande le CAD 919, Hachi. Désolé la station, j'ai 73. Ça me dit rien, ça me parle pas à la seconde. Peut-être que oui, je sais pas. S'ils parlent pas français, c'est sûr que non, je n'y ai jamais parlé. C'est là c'est sûr par contre. Hachi, je comprends pas, j'ai un problème sur mon clignotant. Il s'allume, il s'éteint, il déconne. Ouais, ouais, non, mais là, ok, il y a quelqu'un qui nous a tiré la sonnette d'alarme. Je vais passer en QRX. Ouais, je vais te laisser continuer de ton côté. Là, pour ma part, ouais, je vais pas, comme je viens de le dire, je vais passer en QRX. Je vais laisser les stations lancer appel. Car c'est vrai que moi aussi c'est pareil, hein, je fais pas mal de bruit également en fréquence. Et donc je te renouvelle les bonnes 73-51, bonne route. Merci, bye bye. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, l'autre poste, il est là. Il est là. Il est toujours branché. Il me suffit juste de changer de branchement. Ah. Ah, vous voyez, bon, je sais qu'on a monopolisé le canal 19, hein. Mais là, il y a des stations qui nous ont voulu lancer des appels. Ils nous l'ont dit. Eh bien, j'ai arrêté de suite, hein, normal. Quand il veut dire convivialité, je pense qu'il voulait dire simplicité avant tout. Voilà, c'est le bon mot, c'est plus ça, simplicité avant tout. Faut revenir à la tradition, les cools, faut les...
Bon, on retourne voir. Ah bah alors là. Non mais c'est hallucinant ça quand même. Quand ça veut pas de ce côté-là, eh ben ça veut pas. Pourtant bien souvent je dis quand la propagella elle est dans tous les modes, eh ben là c'est fatal error. Sur la vidéo, je rajouterai un petit effet d'écho comme ça pour rigoler. Là. Alors, un truc que j'ai souvent remarqué, sur les sups, c'est bien souvent en uniforme Sierra Bravo, sur les normaux, en Lima Sierra Bravo. Et là, j'allais dire en FM. C'est bien ça. Alors ça passe en FM, ça passe en AM, et rien... Bon. C'est ça la magie de la radio. Dordogne, il y a une colline là qui nous cache, une sacrée colline d'ailleurs. Et du coup, ben voilà, c'est quand ça passe pas. Enfin, ça passe pas en local. Hein. Parce que bon, j'allais quand même attraper des stations de Dordogne, mais. Uniquement sur les coups de propag BLU. Bon, allez, ce coup-ci. Ah ? Ah ben non, je peux pas, hein. Bon allez, 73-51 tous de Dundee 33 et à la prochaine sur les ondes.